Nadia, vous avez reçu le courrier d'aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Merci. Il n'y a pas de lettres d'enveloppe douteuse ? Non, pas cette fois. Ça va, aujourd'hui, non. Donc, des lettres douteuses du corbeau, Jean-Paul Raoult, le maire du village, en a reçu quelques-unes. La première, lorsqu'il est élu en 2008. Elle est aussi adressée à une dizaine d'autres villageois. Un coup dur pour le maire et sa femme, Josette. Lors des dernières élections municipales, vous avez élu comme maire Jean-Paul Raoult. Beaucoup ne connaissent pas et pour cause. Il a la voix assez forte et le verbe facile. Mais là s'arrêtent ses compétences. Ce personnage cyclothymique a tenté à plusieurs reprises de se suicider. Les électeurs ignorant ces faits, il y a duperie des électeurs et la préfecture sera avisée au cas où la responsabilité de ce maire serait engagée. Quand j'ai lu ça, je suis tombé vraiment à la renverse.